Salut les amis, c'est du hasard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur Skylander Supercharger Racing sur Wii. Donc une édition qui diffère un peu des versions Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 et Xbox One. À savoir que ce jeu ne contient que des modes de course. Donc on va découvrir ça ensemble. On avait juste testé auparavant pour voir un peu la maniabilité. Donc on va faire ici une nouvelle partie. Yops. Voilà. Donc pour obtenir une étoile dans un événement de course, ça arrive au moins troisième. Pour avoir deux étoiles, faut arriver au moins deuxième dans le mode normal. Bonjour les Skylands! Moi, Pendergast le Magnifique, j'ai créé le plus incroyablement dingue des spectacles de course jamais vus dans les Skylands. Et il commence maintenant! La fine fleur de la course a fait le déplacement depuis les quatre coins des Skylands pour tenter de monter sur le podium du championnat. Et le vainqueur repartira avec le Grand Prix. La boule à neige du destin. Cet orbe la boule à neige du destin. Possesseur un vœu. Incroyable, n'est-ce pas? Mais pas aussi incroyable que nos pilotes. Des Skylanders d'un nouveau genre, nés pour la vitesse. Ce sont les superchargeurs. Ce sont les Skylanders les plus rapides, les plus fulgurants qui soient. Et là, je suis sûr que vous vous demandez... Mais, mon cher Pendergast, quel circuit serait suffisamment fabuleux pour accueillir un événement d'une telle proportion? Laissez-moi vous présenter... Racelandia! Racelandia a été créé pour une seule et unique raison. Vous proposez les courses les plus frénétiques que vous ayez jamais vues! Qualité du spectacle non contradictoire. Les pilotes et les véhicules sont au meilleur de leur forme. Mettez vos ceintures, parce que ça risque de bien secouer. En avant! Tout à fait, ça risque de bien secouer. Donc ici pour la vidéo, on va le mettre en mode facile parce que certaines courses en mode normal sont, allez, je vais pas dire dures, mais bon, c'est quand même un peu plus corsé. Donc pour le mode aventure pour la vidéo, pour pas qu'on dure une éternité dessus non plus et que on ne doit pas refaire plusieurs fois les mêmes courses, on va le faire en mode facile. Donc ici on va prendre le mode aventure et donc il y a diverses compétitions. Ici la compétition glorieuse, la toute première. Ensuite il y aura compétition spectaculaire, compétition merveilleuse, compétition éblouissante, la compétition magnifique et enfin abominable, maudite et maléfique. Donc ça promet quelques... très longue vidéo, un bon nombre de vidéos en tout cas. Voilà, donc on va commencer ici donc avec la compétition glorieuse. Donc tout à l'heure on avait déjà essayé, on avait fait les 3-4 premières courses pour se dire de se familiariser avec la maniabilité parce qu'avec la Wiimote c'est pas évident, surtout en ce qui concerne les courses aériennes. Donc ici pour la première course, c'est une course aérienne, donc on va... Voilà, on a changé le véhicule sur le portail. Et on va lancer ça tout de suite. Voilà. À savoir donc que si vous achetez le pack de démarrage, vous avez juste donc Bowser et un véhicule qui est le sien, donc c'est un véhicule aérien. Pour le mode aventure, eh ben, la première compétition. Vous savez faire la première course, mais après vous êtes bloqué parce que vous avez besoin des véhicules donc terrestres et aquatiques. Par contre, j'ai oublié de changer un truc dans les options. Je sais pas si on s'est reculé. Attendez, hein, excusez-moi. Donc ici je vais vous montrer, donc il existe plusieurs skins pour chaque véhicule. Donc ici celui de Bowser, il y a celui-ci, Clone Cruiser. Il y a celui donc le skin du véhicule qui est livré donc dans le pack, Clone Cruiser, mais allez, avec le style d'écaille là.
Alors il y en a un autre. Là, il faut atteindre le niveau 8. Écrasos. Ici, le blindage épineux, il faut le trouver dans un coffre. Donc sur la carte, entre différentes courses, à certains moments, il y a des coffres. Et si vous y allez, vous pouvez débloquer donc des skins pour différents véhicules. Et voilà, donc il y a celui-ci. On va prendre le normal. Bienvenue mes amis à cet événement fêtant l'ouverture de la virée de Donc ici, Pondercastle. la On m'a dit virée qu'une de course d'avion dans un Pondercastle. château était une folie, mais tant que ce n'est pas moi qui pilote, franchement, le résultat est spectaculaire. Allez, allumez Donc vos évidemment, les moteurs. graphismes sont au niveau des graphismes de la Wii. Quand on est habitué à jouer sur Wii U, Xbox One, PlayStation 4, ça fait bizarre, mais bon, ça reste quand même très très joli. Allez! Ici, on va essayer. Par contre, je vais peut-être devoir aller. Non, on va l'option. On va aller voir. Voilà, axe vertical. Inversé, il faut le. Ouais, c'est bon. On l'avait laissé comme je l'avais essayé. Donc, on va baisser un peu peut-être la musique. Voilà. On va laisser comme ça. Donc l'axe vertical, il l'avait laissé bon. C'est parti. Donc là, on doit mettre la petite aiguille dans le vert pour faire un bon démarrage. Yop. Voilà, au début, il faut s'y faire. C'est pas évident, mais bon, une fois qu'on l'a en main, ça va. Et bon, c'est le seul souci, c'est pour les courses aériennes, quoi. Sinon, les courses marines et terrestres, c'est. Allez, c'est intuitif quoi. Donc le jeu, comme vous le voyez, les décors sont très colorés. Il y a une grosse différence entre le niveau de difficulté facile, où vous êtes vraiment quasiment tout le temps premier, et le mode normal, là c'est déjà un peu plus chaud. J'ai pas testé par contre le niveau difficile, parce que là j'imagine même pas, il faut vraiment avoir l'habitude, surtout avec le véhicule aérien. Et connaître les circuits, les raccourcis, etc. Parce que oui, il y a des raccourcis également. Ce qui est dommage aussi, c'est que tous ces circuits différents n'ont pas été ajoutés dans les versions Xbox et PlayStation, qui eux contiennent le mode aventure, quoi. Mais bon, pour les fans de Skylander, et ben évidemment, si vous voulez avoir tous les trucs, et ben il faut acheter la version Wii ou 3DS, et alors une des autres versions Wii U ou PlayStation 3, 4 ou Xbox 360, Xbox One. À savoir également que dans cette version Wii et dans la version Nintendo 3DS, donc vous avez dans le pack de démarrage Bowser, tandis que dans la version Wii U, vous avez Donkey Kong. Donc évidemment, voilà, comme les. Ces Skylanders là ne sont pas vendus à part et ils servent également d'amiibo, pardon. Ben, si vous voulez les avoir tous, il faut acheter la version Wii U et la version Wii ou 3DS. Et en plus de ça, pour couronner le tout, ils existent également en version Dark Edition. Donc voilà, argent, argent. Mais bon, moi perso, je suis fan des versions Dark Edition, mais en ce qui concerne ici les versions Nintendo avec Bowser et Donkey Kong, je les trouve quand même plus classe en version normale qu'en version Dark. Mais bon, c'est juste mon avis personnel. Bon, on est toujours premier, deuxième tour. Ça peut paraître également long les courses, mais bon, ici en avion, c'est. Enfin, du moins pour moi, ça paraît plus lent que les courses terrestres ou marines. Et non pas Marine Le Pen, course marine tout court. En tout cas, c'est une très très bonne surprise. Ce jeu, franchement, il est super chouette. Très maniable et tout. Très joli.
Dernier tour. Allez, dernier tour. Yup. Ouch. Donc, comme vous le voyez, on a quand même assez bien d'avance par rapport aux autres adversaires. On va prendre, de toute façon, on a son énergie à fond. Yup. Décor du château, mais bon, ça fait un peu, même beaucoup, fête foraine. Allez, on essaye de passer en dessous, yes. Ils arrivent sur la dernière ligne droite. Ouais, tout à fait. Et c'est gagné. Victoire. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Yeah. Let's we did it. Et voilà, Bowser est content. Yup. Voilà, il était déjà au niveau 4 vu qu'on avait joué un petit peu déjà avec. Oups. Le véhicule passe au niveau 2. Bonus de puissance de feu. Donc à chaque fois qu'on passe d'un niveau avec un véhicule, il augmente soit en maniabilité ou en puissance de feu ou... etc, etc. Donc on va continuer. Yop. Allez, deuxième course, on va devoir changer de véhicule. Yop. Et voilà, véhicule terrestre. Comme vous avez expliqué, si vous roulez dans le sable ou dans l'herbe, si vous sortez du circuit du tracé, ça vous ralentit. Allez, ici on va vous montrer les différents skins donc pour le Hot Streak. Donc il y a le Dark Hot Streak, celui que j'ai. Le Dark Hot Streak élément échappement volcanique. Le brûle-route. Surchargé qui est classe quand même. Et voilà. On va prendre celui-ci. Bienvenue à la montagne Chopi, chers amis. J'aimerais pouvoir dire que les champis ne mordent pas, mais ce serait mentir. Alors rentrez bien vos mains, vos pattes et vos sabots dans vos véhicules, et profitez du spectacle. Regardez ici, Donkey Kong avec Diddy Kong, excellent. Ah, il y a classe aussi celui-ci, il y a véhicule à la Mad Max. Allez, allumez vos moteurs. Allumez vos moteurs. Yes. Oh là là, pas dans l'herbe. Allez, on va leur brûler les fesses. Oups.
Allez, quatrième, on va essayer. Zut là, putain, on passe en septième. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On a presque plus d'énergie. Allez, on les crame, on les crame, on les crame. Oups, il y a également un bouton de saut, donc pour sauter au-dessus des petites mines là. Parce qu'à un certain moment ici, juste à droite, il y avait un passage secret. Je vais essayer de vous le montrer au prochain passage. Oups. Voilà, on est remonté deuxième. Deuxième tour. Donc si vous appuyez sur la touche 1, c'est pour sauter. Oups, voilà. On va bientôt arriver, je pense, au passage secret, enfin au raccourci. Ouais, il y a même des petites animations dans les décors, ça c'est sympa. C'est après le tunnel. Yop. Donc à certains moments, vous allez voir, il y aura des mines sur la droite et il faut sauter au-dessus des mines. C'est après. Et donc quiconque, laisse-moi passer. Donc c'est pas ici. C'est après ce passage-ci. C'est ici sur la droite. Yop, voilà. Bon, évidemment, il faut rester sur le chemin. Mais ça fait un petit raccourci quand même. Allez, dernier tour. On a chopé le petit gâteau au passage. Oups. Oups. Voilà. Yes. Et voilà. Et voilà le drapeau premier. Victoire. Hammer Slam Bowser. Niveau supérieur, bonus de vitesse de pointe. Toujours bon prendre. Et véhicule niveau 2, bonus d'accélération. Allez, on continue. Et cette fois-ci, on va utiliser un véhicule marin. Yop, voilà. Allez, puis chargement. Le chemin détourné pour découvrir des secrets et des raccourcis.
Merci, Shadow. Yop. Allez. Bon, on va une fois changer, prendre un autre skin. Yop. Réacteur de pression. Pilote ! Comme si la présence de l'équipage de Frightbeard sur l'île n'était pas assez effrayante, le mont Stubaptoa va entrer en éruption. Voici donc une course qui ne manquera pas d'être volcanique. Yop. Donc ici on sait plonger, donc comme ici le passage à gauche on sait y aller, si on plonge, voilà. Il me semble qu'il y avait un passage secret sur la gauche. Je suis pas sûr. Il m'a ralenti. Hein. Enflure. Allez, yop. Ici, un accélérateur. On sait faire des petites figures, ce qui permet d'avoir une accélération. Petit bonus d'accélération. Deuxième tour. Allez, hop. Encore une petite avance. Oups. Allez, dernier tour. Dernier tour. Un deuil à Crash Bandicoot. Gagné. Victoire. Allez, on va continuer. Mmh.
les baies. Un bonus de puissance de feu. On continue. Voilà, donc ici, il faut avoir 3 étoiles pour continuer, mais on va vous montrer ici vers le haut. Donc là, il faut un véhicule pour débloquer donc les deux, la course suivante et le coffre. Il vous faut absolument un véhicule de l'air. De l'élément air, pas un véhicule aérien, un véhicule élément air. Parce qu'il y a des véhicules aériens, éléments, vie, donc feu, etc., etc. à mon avis, de toute façon. Donc ce qui fait que si vous voulez explorer toutes les zones du jeu, eh ben, vous pouvez douiller et acheter tous les véhicules. Voilà. Donc maintenant on va aller voir en haut. Maîtrise des acrobaties. Yops. Fais des acrobaties en l'air avec B pour gagner des points, pas le score indiqué pour gagner. On va le prendre comme ça. Ce défi est pour les pilotes les plus agiles et les plus stables. Pour gagner, ils devront démontrer leur talent d'acrobate. Allez, allez. Donc vous voyez ici, vous devez faire 800 points. Donc vous avez une minute. Mais bon, c'est largement suffisant. Surtout si vous attrapez les petits chronos, les petits. Les petits chronos. Ouais. Alors, est-ce qu'il... Ah ouais, il y en a un ici, voilà, juste devant. Et voilà, il reste 45 secondes et j'ai déjà les points. Hop, par contre là, je me suis planté. Et du coup, il faut que ça recalibre. Une fois qu'on tourne trop, parce que donc j'utilise la Wiimote, mais avec le volant qui est livré donc avec Mario Kart. Mais une fois qu'on tourne de trop, pour se remettre droit, c'est pas toujours évident. Là, en fait, il faut pas faire de trop grands gestes. Mais bon, une fois qu'on est en plein dedans, on est en plein dedans. Yops. Bon, ici je vais laisser le compteur diminuer. Je vais pas continuer à prendre les chronos. Si je sais, du moins, on peut tomber dessus par hasard aussi. Hop. Allez, 300 points, yeah! Ben, vous voyez, on a largement battu le score. Yop, voilà. Donc là, on peut passer au moins niveau. Ah non, je pensais qu'on allait passer au moins niveau 6, mais non. Allez, on continue. Allez, on va voir ce qu'il y a dans le coffre. Donc un nouveau mode, un nouveau skin pour le véhicule. Donc c'est pour le Aerolam.
C'est bien, il retient le score qu'on a fait également au défi. Donc ici, voilà, ici, il faut 4 étoiles. Donc 3 étoiles pour passer et on en a 4. Donc voilà, maintenant on peut aller au-dessus ou en dessous. Bon, on va aller au-dessus. Yups, Apocalypse Chompy. On change de véhicule. Et on laisse toujours en facile. Parce que vu qu'on est déjà à une demi-heure, ouais, de vidéo, je pense qu'on va dépasser l'heure si on veut faire tout. Et encore, on voit même pas jusqu'où ça va le nombre de courses, donc. Enfin, on verra, on va encore continuer un petit peu et s'il faut, on coupera. De toute façon, je ferai plusieurs vidéos. Allez. Ouais, on va prendre peut-être celui-ci une fois. Échappement volcanique. Il faut absolument s'occuper de ces champis. Heureusement que les pilotes sont là. Ah. Leur mission, éliminer le plus de champis possible avant Ah, l'arrivée pour la excellent. partie. Donc, vous voyez les petits défis dans les courses et tout, c'est excellent. 3, 2, 1, Yop. Donc, il faut en avoir un point. Il faut en écraser 320. Wow. Wow, c'est pas évident. Faut vraiment suivre la trajectoire parfaite. Allez, strike ici. Ah, il y avait un truc en l'air. C'était un champi en or, on aurait dit. Un champi en or. À mon avis, ceux-là, ils valent plus. Excellent. Et franchement, ce n'est que le début, mais jusqu'ici, je ne suis pas déçu du jeu. Il est super amusant. Malgré que graphiquement, ça soit plusieurs crans en dessous des versions des consoles actuelles. Allez, c'est pas toujours ça qui compte, quoi. C'est du moment que le jeu est amusant et un minimum joli. Yop, yes. Ah bah oui, ça compte. Il me semble que ça a compté pour un bon paquet. 50. La voix off me dit 50. Ah, il y en avait encore une là-bas sur la droite. Mais dans le feu de l'action, on n'a pas toujours le temps de voir. Allez, 284. Ouh, ça va être juste quand même. Ah, ben, il y avait encore du temps. C'était le nombre de tours qui comptait aussi. Ah, ben. Ok. On a un petit bonus à la fin, donc. C'est good. Ah ben ça change qu'il y ait des petites épreuves comme ça, c'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore? En dessous, on va aller voir. Youps. Voilà, en dessous. Et. Ah ouais, il y a encore en dessous, en dessous. Allez, ici, donc un véhicule aérien. C'est parti, mon kiki. Ouais, on va laisser en facile. Forêt du Robot Moulin. Hey hey hey. Clone Cruiser. On va prendre celui-ci une fois. On va prendre celui-ci une Salut fois. Les amis et bienvenue à la forêt du Robot Moulin. Ce val paisible est devenu assez périlleux depuis qu'il a été envahi par une bande de trolls adorables et un robot bûcheron géant qui cherche à tout détruire. Eh ben. Voilà qui promet une bonne rigolade.
tu parles. On dirait des bâtons de frisco là, ces hélices. Allumez le feu. Zut, là, c'est foiré. À savoir aussi, bon, la plupart d'entre vous le savent certainement, mais bon, peut-être qu'ils ne le savent pas. Si vous ne possédez pas de Wii et que vous avez la Wii U est compatible avec les jeux Wii. Donc, c'est pas mal pour ceux qui ont revendu leur Wii et qui voudraient s'essayer à ce jeu. Et d'autres jeux Wii d'ailleurs, la Wii U est compatible avec les jeux Wii. Et si vous n'avez pas la Wii U, vous n'avez que la Wii, et ben vous n'avez pas à rougir face au Skylander sur les autres consoles, car ce titre est super fun. Les joueurs sur PlayStation 3, PlayStation 4, 360, Wii U et Xbox One n'ont pas la chance d'avoir tous ces modes de jeu de course. Ils sont super chouettes, franchement. Moi perso, j'adore. Deuxième tour. Ouch, là, je me suis pris dans plein dans la tronche. Ça va encore être pénible pour me remettre. Allez, on est quand même encore premier. Oh là 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 là. Les bûcherons sauvages. Oufti. Bing, je me suis pris la bûche. Enfin, la bûche, le tronc. De toute façon, il y a l'abeille qui nous dépasse. Encore vu en véhicule Skylander cette abeille. Ou alors peut-être que tous les véhicules dans le jeu ici ne existent pas forcément en véhicule acheté séparément. Et bon, comme la voix off me dit, tous les véhicules ne sont pas encore tous sortis, quand il y en a encore qui viennent de sortir des nouveaux. Il y en a des très jolis, il y en a des moins jolis. Aux États-Unis, comme la voix off me dit, il y en a plus. Ah, c'est vrai qu'aux États-Unis, même des personnages, il y en a qu'on n'a pas encore par chez nous. Binks. Se prendre dans l'étoile d'araignée, même s'il y a un booster juste après. X. Ils arrivent sur la dernière ligne droite. Et voilà. Voici l'arrivée. Victoire. Encore une de fête. Ah, donc évidemment pour avoir 3 étoiles à chaque fois, bah, il faut le faire au niveau de difficulté le plus dur aussi, mais c'est chaud boulette. Allez, qu'est-ce qu'il y a juste en dessous? Ah, il y a un coffre juste au milieu aussi. Mais il faut... Oh ouais, 5 étoiles, on en a 6, c'est bon. Tac. Le petit coffre. Alors... Spoiler acrylique. Joli, franchement, ça donne bien. Et... Bon, maintenant. Ici. Porte élémentaire, mort-vivant. On n'a pas, donc on ne sait pas faire la course juste après. Et le coffre, on ne sait pas l'avoir non plus. Donc ici, on va aller au village... Trop olympique. Ah ben, on voit la fin, donc on va pouvoir faire
tout ce mode-ci sur cette vidéo. Elle fera plus ou moins 1 heure, peut-être un peu plus, on verra. Je ne pense pas, non. On pense pas qu'on va dépasser l'heure. Mais bon, on fera à chaque fois donc une vidéo pour chaque monde comme ça. Bon, télé augmente ta vitesse de pointe pendant un temps. Tout, 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 tout. Il met quand même un petit peu de temps ici hein, pour afficher donc les véhicules et on va prendre le brûle-route, ouais. Les persos et les véhicules. C'est un peu plus long que dans les autres surtout versions. Quand ils sont tous dans le village trollympique où le pire du pire des Skylands se réunit pour savoir oh, qui méritera la médaille d'or. Oh non. Personne ne leur a dit que il y a tu le gros moche là qui va à passer course. À travers. Alors il risque d'être Excellent. impitoyable. Méfie-toi. Ah joli le véhicule à gauche là, tout en os on aurait dit. Ah ce cher bon vieux Donkey Kong. Allez, allumez vos moteurs. 3, 2, 1. Ah bon je pense que c'était Donkey Kong dans le véhicule blanc, ouais. C'était pas un véhicule en os. C'est des tonneaux tout blancs. Attention! Ils ont tous décidé de faire du ski pendant qu'on faisait la course. En plus, du ski à cette vitesse-là. Allez, allez. Ça glisse, ça glisse. Oula. Youp. Oh là 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 là. Deuxième tour. Excellent. Allez, allez, on y croit, on y va. On est chaud patate. Attention de ne pas se prendre la blanche. Aïe, aïe, aïe. Je me suis pris la blanche. Quand il fonce, hein. Un petit troll. Attention. Décidément. Non, pas le cross party. Oups. Allez, hop. Non. Non. À dire que faudrait que j'ai la version Wii U pour pouvoir tester Donkey Kong. Franchement, allez, c'est grave quoi quand même. Allez, pour ceux qui aiment les persos comme ça différents.
obligé d'acheter plusieurs versions du jeu. À moins que par après ils les vendent séparément. Mais ça m'étonnerait. Ils arrivent sur la dernière ligne droite. Et voilà le drapeau à damier. Victoire. Yes. Oups. Allez, on continue. Bonus d'armure. C'est pas mal. Allez, suivant. Une course air. Ah ben après, je pense qu'il n'y a plus de... Ah si, la coupe finale, c'est peut-être... Ouais, c'est à mon avis, la coupe là, c'est une course également. Oups. Forêt du robot moulin. Maîtrise de la post-combustion. Allez. Clown Cruiser. Bon, on va mettre celui-ci. Vous avez soif de vitesse? Alors ce défi est pour vous. Les pilotes pourront perfectionner leur maîtrise de la post-combustion. Ok, ok, un défi de vitesse. 3, 2, 1, partez! Oh là! Pas évident, hein, les amis. Wow. Bon, il faut faire 1000, donc à mon avis, il y a quand même moyen. Allez, on a déjà presque les points. Petit chrono, non, bim. Allez, on a encore 38 secondes pour faire 100 et quelques points. Ah bah, ça va, c'est bon. Mais on... En normal et surtout en difficile, ça doit être hard, purée. Mais bon, au moins, ça assure une grande durée de vie pour le jeu. Yop, yop. Allez, allez. De toute façon, on a largement les points. Bowser, il est content. Allez, hop, niveau 3. Bonus de vitesse de pointe. Continuez. Ah, il est joli ce mode là aussi, en rouge. It's beautiful. Ah, le coffre en dessous, comment ça se fait qu'il est si bas? Ah ouais, non, c'est celui où il fallait aller en bas pour le déverrouiller, juste. Voilà, donc celui-ci, cette étoile, on en a 8, c'est magnifique. Et on va aller voir ce qui se cache dans ce coffre-ci. Injecteur à magma. Ah ouais, c'est pour le véhicule que j'aime bien. Excellent. Et enfin, ici, coupe glorieuse. Ah ouais, c'est pour passer à directement à la coupe suivante, je pense. Bon. C'est juste pour avoir... ok. Ok, ok. Bienvenue dans le récap de Racelandia. Je suis votre animateur, Pendergast le Magnifique. À la une aujourd'hui... La fin d'une première journée, riche en événements. On a tout vu, joie, pleurs, exploits et des crashs. La deuxième journée de course nous promet-elle une même dose de folie que ce à quoi nous avons déjà assisté? Rendez-vous dans notre prochain numéro pour le savoir.
C'était le récap de Racelandia, présenté par Pendergast le Magnifique. Yeah. Bah donc, comme il vous l'a expliqué lui-même, la prochaine coupe, donc ça sera dans une prochaine vidéo, les amis. Donc ça sera quelle coupe? La compétition spectaculaire, c'est pas une coupe. Donc ça sera la compétition spectaculaire. Donc, et hormis ce mode de jeu là, je vais vous montrer ce qu'il y a encore. Donc il y a le mode coupe. Donc il y a les coupes aériennes, terrestres et marines. Voilà, voilà. Donc ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc sur la première compétition, j'oublie toujours le mot, du mode aventure. Donc c'était le jeu Skylander Supercharger Racing sur Wii, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, ciao ciao.